Bonjour, tu sais, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens pour faire une nouvelle vidéo et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo pour vous mettre sur la chaîne? Et je me suis dit, pourquoi pas faire sur une maison d'édition en particulier? Et ça fait un moment que je me dis que cette maison d'édition, j'avais envie de vous montrer plus. Je crois que je vous avais déjà montré une partie. Du coup, ce sera sur une petite vidéo sur la maison d'édition Héros d'Argent. Et je vais vous montrer mes beaux livres de chez eux que j'ai. Ils sont tellement lourds, mais voilà tout ceci. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer et vous les ai détaillés. Et en même temps, pour moi, j'aurai un petit récap. Parce que je ne sais plus ce que j'ai. Et c'est vrai que je ne les ai pas lus. Et j'aimerais bien avancer dans ces lectures aussi. Du coup, le premier qui est Mon conte merveilleuse de... ouais. Voilà, il est trop beau. Ça, c'est un de mes premiers livres. Je vais essayer de vous montrer en peu près. Du coup, vous avez... Ça, c'est la page. Vous avez souvent une image et ça, c'est la préface. Mais l'histoire, vous voyez. Vous avez l'image. Et ici c'est la Belle au bois dormant. Voilà, les petits contes. À chaque fois vous avez comme ça le petit chapeau rouge et l'histoire. Là c'est le prince au petit pois. Là vous avez juste des petits. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout non plus. Pour ne pas vous spoiler. Et je vais essayer de vous mettre la maison d'édition en barre d'infos. Voilà. Elles sont trop bien. J'aime beaucoup ces livres. Voilà, on parle de toutes les princesses. Ici, c'est le conte merveilleux. J'aime beaucoup Alice et son petit chat du Cheshire. Juste là, il y a beaucoup de détails. Le lapin. Voilà, il y a beaucoup de détails dans ce... et là, c'est pas la même. Voilà, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Et je sais pas s'ils sont tous longs ou pas, mais je vais lire la... Quatrième de couve. Alors, il était une fois une belle princesse endormie, une charmante petite et son loup, une reine des neiges, un jouet amoureux, une sirène qui rêve, un lapin en retard. Tous ces contes de votre enfance et bien d'autres encore sont rassemblés dans cette ce livre. Savez-vous qu'il corde le loup du petit chapeau rouge était un tigre, que Blanche-Neige aurait réellement existé, que le conte préféré du jeune roi Soleil était Peau d'âne, que le surnom de Manolo Bonaparte est le chaboté. Laissez-vous charmer par les Henri qui... J'ai soif. Et... Excusez-moi, mais ça m'ennuie ce mot. Henri Kinke. Esplacement des artistes japonais. Shirika pousse la porte des contres merveilleux. Voilà. Je l'adore. Je suis trop fan. Après, on a celui-ci. Il est trop beau aussi. C'est l'encyclopédie. Vous voyez le nom. Au petit peuple elfe, nain, fée et lutin. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous montre. Bon, ici, il n'y a pas trop de... là, il n'y a rien. Voilà. Chaque fois, c'est comme ça. Vous avez une illustration, un petit texte. Je montre pas tout. Je vais vous montrer. Là, vous avez autrement. Vous avez plein de petites choses. Ça a l'air trop mignon. Il faut vraiment que j'essaie de me les lire. Me les casse. Après, les contes féeriques.
VA, il est trop beau. Ça vous. Oh, je vous ai pas lu la quatrième dans celui-là. Attendez. Je vous ai même pas montré comment il se présente. Et du coup. Le monde des humains brise et murmure. Les petits plops rencontrent les esprits de la forêt dans. Et danse avec les fées débusquer les nains et découvrir leurs recettes, protéger leurs trésors. Millénaires, les nains et les mystérieuses elfes de l'âge d'or. Au coin du feu, contre la branche, chantant des poussières de rois et reines fées, succomber au charme de la nature, franchir les lésions de l'autre monde. Voilà pour celui-ci. Enfin, je vous mettrai en barre d'infos. Et à chaque fois, ils font beaucoup de nouveautés. Et en plus, il y en a qui sont dédicacés, mais ça, je ne sais pas. Du coup, regardez ça, il est trop beau celle-ci. Oh, il est trop beau. Il y a des portraits trop magnifiques. Il faudrait vraiment que je me mette vraiment à lire un petit peu ces trucs-ci. Voilà. Oh, elle est trop belle, ça. Regardez, celle-là avec plein de couleurs. Celle-là, elle est trop mignonne. Voilà. Et je vais vous. Ah, celui-là, il est loin. Loin des fées. Dans cette. Ouvrage, les poussières des souvenirs des fées y sont chantées par des métallés du temps jadis, tandis que les bonnes dames de mal d'amour se rencontrent au bout de la fontaine, non loin des micicules pexi, pexi, pexi. Danse sous les cornes de fleurs. Enfin, certains de mes potions de la nature se confond avec leurs animaux. Et protégeons ou encore dissimulons dans le feu, air, eau ou terre. Ces contes tristes ressentis merveilleux entre le risi férique et originant. Ouais, bon, c'est bon. Vous avez tout ce qui est fait, quoi. Des contes faits. Celui-là, il est tellement long que il est trop beau aussi. J'ai trop envie de me les faire. Après, c'est. Attendez, je reviens, je bois un coup. Et du coup, le prochain, c'est les fées et les merveilles. Celui-là, j'adore. Avec ce renard, c'est du petit enfant. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un truc qui me bloque et je sais pas. Ah, j'ai tout qui est tombé. Je vous montrerai après. Ceci se trouve comme ceci. Je vous montrerai l'autre côté direct. Oh, il est beau ce bébé. Un petit elfe. Il y en a, ils sont trop beaux. Petit chat. Voilà. Et celui-là, auprès de la saison des Pix enchantés, une légende des dieux et des hommes, cet ouvrage est illumination délicat dévoilera le secret de ces petites elfes souris mystérieux. Espège, essayant de forêts moussant, de landes venteuses, des bruines désolées et des abords des fontaines s'aventureront parfois presque dans le jardin. Il n'y a rien de dansé au cru.
entrer la nature vous invite à voyager embruté des sensations du merveilleux. Voilà. Et du coup, dans ça, j'avais un marque-page dans celui-là et une petite illustration que j'avais laissée parce que je suppose que celui-ci était dédicacé du coup. Ah non, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. C'est que je sais que c'est quand on achète plusieurs, on a droit. Parce que pour le moment, si on en achète deux, on a droit à avoir une illustration. Lance au. Enfin, je coupe ça au montage. L'encyclopédie de la magie. Enchanteur, sorcière et créature magique. Il est trop beau. Celui-ci, je crois qu'il est dédicacé. J'ai le marque-page. Ouais, celui-ci, je savais qu'il était dédicacé. Celui-ci, il est dédicacé juste ici. Voilà. Je crois que celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans une vlog ou une vidéo. Dans mes achats, peut-être. On a qui se présente comme ceci. C'est un mouchard. Regardez cette illustration. Elle est trop belle. J'arrive pas à avoir des dessins en fait pour celui-ci. Il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a, mais. Voilà. Pour ça. Lorsque vous apprenez la magie, que vous voyez la future sorcière que votre quartier, une animistée millénaire, adorons des iris ou des pips. Comment on dit des. Oh! Péril du temps et des déserts. De ce. Bon, je lis pas parce que ça me casse les bonbons et tout leur nom bizarre. Après, c'est de la même maison d'édition, sauf que ça vient pas de la même. Enfin, c'est la maison d'édition, mais c'est une autre maison. Enfin, je sais comment on peut dire. C'est la même maison d'édition, mais pas la. C'est une autre. Je vous montre. Là, c'est RL France. C'est la même maison d'édition, mais c'est un autre modèle, on va dire. Il est beau aussi. C'est plus écrit à l'ancien, celui-ci. Je vous ai même pas dit le titre. Pixie. Voilà, il est aussi. Ça, c'est la pochette de l'autre. Plus dessiné, celui-ci, il est plus. Oh. Voilà. Bon, celui-là, je ne vais pas vous le lire parce que c'est un long texte. Et gardez, je l'ai depuis 2020. C'était aussi au salon du livre 2020. Ben, lui aussi, c'est 2020. Voilà. Et le dernier que j'ai acheté, que je vous ai montré dans le vlog que vous allez avoir. Encyclopédie des anges et des démons. J'aime beaucoup celui-ci. Il a été dédicacé par l'autrice. J'ai reçu. Ah oui, j'ai oublié de montrer à mon ami. Je me suis pris un dragon tout doré. Enfin, avec de doré dessus. Il est trop beau. Et. Un marque-page, je crois que celui-là je vais me le acheter. Celui-ci, voilà, celui-là je l'ai pas. Légende, peut-être ce week-end. Du coup, je montre si il est trop beau aussi.
Je vais descendre un tout petit peu la caméra, comme ça je vais pas soulever trop. Je vous montre que les dessins. Il est trop beau. Du coup, ici, c'est sur les anges et démons. Ouvre ce grimoire magique au secret millénaire. Entre les pages chantant les choristes, célétiques et brûle les flammes infernales. Invoquez de mystérieux bas-fonds la démone Lilith. Comment, je sais pas comment on se dit. Avec TH, enfin Lilith. Voilà, et enchante Gabriel promet de célébrer dans le jardin d'Éden, croquer un délicieux fruit de la connaissance en compagnie de serpent Nadjol, puis Ménir de la rébellion aux côtés du beau Lucifer. Mais Mario, Maya, Mepossautomatisme, ange démon, choisis votre camp. Qui choisit quel camp? Démon ou ange? Moi un peu les deux. On est tous un petit peu les deux. Hein. Voilà. Voilà pour toutes ces beaux petits bouquins. Et en plus j'aime bien la tranche. Ils ont tous une tranche comme ceci, avec un petit rond, le titre. Voilà. Et du coup, j'avais trop envie de vous montrer. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Oh, trop belle. Il faut que je me mette à aller lire. Absolument. Voilà pour cette petite vidéo de les hérons de l'argent. J'espère que vous me dites si vous en avez déjà ou pas. Si vous en avez déjà lu, ça me ferait plaisir pour m'inciter à les sortir encore plus de ma palle. Parce qu'ils sont là, je les rajoute des nouveaux, mais je les lis jamais. Et c'est tellement des beaux livres que j'ai trop envie de quand même me les lire un petit peu. Du coup, sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire ce montage de la vidéo tout de suite. Comme ça, je vous l'insère pour la semaine prochaine. Enfin, moi, on est jeudi. Comme ça, je vous l'insère pour la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Voilà, mais c'est pour ça. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.